Bon, ok. Salut. Nouvelle vidéo. Bienvenue. On va. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu. N'importe quoi, t'sais. Ça va être une vidéo dans la. Une journée normale là, que j'ai filmé un peu. On va voir aussi ma transformation de cheveux que je vous parlais, là, que je vous ai montré. C'est ça, j'avais filmé. Au rapide, ma transformation capillaire. Ensuite, c'est ça, on va voir au début de la journée. Je me souviens plus trop qu'est-ce que. En tout cas, on va voir au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec ma transformation capillaire. On regarde ça. Bon, là, je viens de réussir. Bon, on va regarder. Tu sais, j'avais filmé mon changement de cheveux, là, mon relooking. Donc, la mère de ma fille et ma fille sont venues me couper les cheveux. Tu sais, j'ai fait comme un film au rapide, là. Avec la première couette. Fait que j'avais vraiment les cheveux longs, je pense que là, c'était le temps que. Passe de quoi? Puis j'ai gardé une mèche de cheveux en souvenir de ça. Donc, je vais l'avancer un petit peu là. Là, on avance, on avance. Là, comme je voulais garder un petit mulet pour commencer l'année. On voit que ça avance. Là. Là, c'est ça. Geneviève est capable de me peigner, mais moi, je suis pas capable vraiment. Donc, séchoir, tout. Fait que c'est ça. C'est ça que ça donnait, mais là, j'étais full frisé sur la vidéo. Donc, c'est ça pour. Le changement de chevelure. Donc, on va poursuivre avec. Je vois plus mon. Ok, un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Bon, ben, fait que c'était ça, là. La fin, c'est parce que mon écran avait disparu. Tu sais, ça filme encore. Moi je voyais plus rien. Fait que là, je pensais que. À la fin du vidéo qu'on vient de voir là. Donc c'est ça. Ça fait du bien, là. C'est sûr que c'est une adaptation à chaque fois qu'on change, qu'on coupe des cheveux pis tout. Bref, on va continuer avec qu'est-ce que je me suis filmé dans l'auto, là. Je jase de n'importe quoi. Puis si c'est trop long, avancez un petit peu. Salut! Salut tout le monde. Salut, on est le 26 janvier 2022. Je suis allé porter ma fille à l'école. Ça va être une journée normale. Tu sais, j'avais fait. Là, c'est ça. J'étais allé porter ma fille à l'école, on a déjeuné. Là, j'ai travaillé mon 4-12 heures. Puis, je vais faire un petit peu de temps à l'usine pour peindre des choses sur le plancher, des lignes de signalisation. Puis, là, ben, je suis en route, je vais aller au dépanneur. Puis, c'est juste un. Tu sais, j'avais. Sur la chaîne, j'étais rendu à 100, 134 abonnés. Là, j'ai fait, admettons, deux vidéos un peu qui parlaient de la situation actuelle.
Puis là, j'ai perdu 4 abonnés après cette vidéo-là. Fait que je sais pas si ça rapporte ou pas. Donc là, je vais faire une vidéo de la vie quotidienne, là, d'une journée de la vie quotidienne. Mon nom est Sylvain Pitt et les traits de bonheur. Non, pas tant que ça. Bon, mon... Ah oui! C'était la fête à une de nos abonnées, Madame Catherine Raté. Bonne fête, Catherine. Là, ça fait déjà quelques jours. Bonne fête, Catherine, de la part de toute l'équipe, la régie, caméraman, recherchiste, toute la gang là, en arrière de la caméra. Puis, bonne fête encore. J'espère que ça va être une bonne année. Hein? Bon, mais je suis dans le tunnel. Il y a un tunnel à la job pour pas que la neige. Il y avait quelqu'un qui s'était cassé à la cheville sur de la glace. Fait que là, ils ont mis un tunnel tempo de 1 km de long. Ah, c'est ça. Ça va ma case. Je fais ça. C'est un peu le bordel là. Bon. Comme on peut voir, je fais des lignes jaunes. Des lignes jaunes. J'ai caché les lignes grises, jaunes. Les anciennes lignes, je les ai faites en gris. Les nouvelles en jaune. Ils ont déjà. Il y en a jusqu'à là-bas, mais là, ils ont déjà mis du stock. Une autre journée plate dans la vie d'un gars plate. Là, j'ai mon ami Frank. Tu as un petit mot à nous dire? Ah ouais. Tu sais, on s'entend bien. On est des. François. Là, je suis content parce que là, tu sais, on se voit plus. Puis là, je suis rentré comme les jours que. Parce qu'il y a des jours qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des jours qui. Fuck off. C'est pas compliqué. Fuck off. Ben, c'est ça. Fait que François, Serge, c'est notre groupe de. Il n'a pas dans tes vidéos. Non. Pas matin. Moi, ça, pas matin. Ça reste plus le matin, là. Au tard. Bon, Serge, il est. Serge, il fait ses. Il lève à 9h, venez de rire. Son effarouché, là. Bon, ben, c'est ça. Bon, ben, là, il est midi.
j'ai fini qu'est-ce que j'avais à finir à l'usine. Fait que j'ai fait un petit 3 heures de plus. Ah, oh, j'étais fatigué, là, ça me tend... Je suis parti. Là, j'ai des commissions à faire. Fait que... du pain... plein de choses, là, comme... fait que je vais aller faire ça. Bon, mais là, je suis allé chez nous. Puis, là, en arrivant chez nous, je me suis aperçu que j'avais pas ma pompe d'asthme pour l'asthme. Puis là, j'ai cherché partout. J'ai appelé mon ami Serge à la job pour qu'il me check dans ma case. Il l'a pas trouvé. Fait que là, je suis retourné à la job. Ça, c'est mon... Ça m'arrive souvent, non? Je suis retourné à la job pour aller voir. En fin de compte, elle était tombée en bas dans la case. Fait que là, je me retourne chez nous. Après ça, fait que j'ai perdu une heure et demie de ma journée pour ça. Et voilà. OK. Ben, c'est ça. C'était comme des petits bouts filmés dans l'auto. En fin de compte, c'est ça. J'étais allé faire mon épicerie. J'étais allé chercher plein d'affaires. Avec tout ça, ben j'ai tout brûlé le gaz. Fait que il va falloir que je retourne au dépanneur essence, comme qu'on appelle. Puis c'est ça. Fait que là, on est revenu chez nous. Je vais chercher ma fille à l'école. Puis là, on va chiller. Écouter un film, quelque chose. J'espère que... C'est ça, puis c'était juste une vidéo, vraiment. N'importe quoi. Fait que... pas de stress, pas de sujet lourd, pas de cassage de tête. On est là juste pour s'évader dans une dimension interdimensionnelle. Fait que merci, likez. Puis essayer d'écrire un commentaire. Ça, c'est important, les commentaires. Donc, quand je me lève le matin, je vois un commentaire, je suis super content. Fait que... on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!